parlait de mai 68. C'est quelque chose qui nous a beaucoup interrogé. Il disait là-dessus que les choses n'existent que lorsqu'elles sont représentées. Et que c'est comme ça qu'a commencé mai 68, parce qu'on avait une jeunesse qui ne se reconnaissait pas dans l'idée qu'on donnait, dans l'image qu'elle donnait d'elle-même, qu'on donnait d'elle-même. Et qu'il fallait finalement ce grand soir pour qu'elle devienne visible. Ça me semble particulièrement intéressant, notamment en lien avec l'écologie, puisque la question de la jeunesse est primordiale. Nous sommes tributaires de la dette écologique, nous sommes tributaires de la dette sociale, nous sommes tributaires de la dette démocratique, et pourtant il y a un gros déficit à l'heure actuelle de la représentation de la jeunesse. Je prends pour exemple le fait que le ministère de la jeunesse est disparu. Il y a eu énormément d'attaques aussi à la jeunesse, que ce soit via Parcoursup, la loi baccalauréat, le service national universel qui est arrivé. Donc c'est pour ça qu'il me semblait important de partir de cet axe pour aussi se différencier des autres mouvements qui ne sont pas à la hauteur des craintes qui sont celles de la jeunesse. Et donc, le problème, c'est pas que les 68, mais cette génération qui avait besoin de cette représentation est passée d'un déficit de la représentation à un monopole de la représentation. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète. Enfin, moi, je l'interprète. Ce constat, il est divers. Déjà, je pense que les jeunes eux-mêmes ont tendance à être vraiment des jeunes, on ne sait pas trop. Je vais prendre des exemples chez les jeunes écologistes. On vote l'émotion, et ce sont des grandes positions officielles du mouvement, et j'ai déjà entendu des conversations afin de dire oui, non, mais ça, je ne suis pas sûre que ce soit aux jeunes écologistes de voter. Il n'y a pas de raison. Et donc, ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est que toutes les motions qu'on a votées ont été envoyées aux députés, aux sénateurs, en disant, mais on a des positions et on aimerait aussi qu'elles soient entendues. J'ai été reçue deux fois à l'Assemblée nationale, une première fois pour parler des ordonnances de travail. J'ai été reçue par Eric Alauzé, je ne sais pas trop. Voilà. Et dans un second temps, sur la loi asile-immigration, on a rencontré Aurélien Taché, c'est lui qui a écrit 72 propositions pour une meilleure intégration. Grâce à cette rencontre, il y a deux amendements qui ont été déposés en commission des lois sur la loi asile-immigration. La première visant à sanctionner toutes les collectivités territoriales qui refusent de scolariser les enfants qui n'ont pas d'adresse privée. Et la deuxième, c'était pour supprimer la taxe lorsqu'un employeur emploie un demandeur d'asile. Bon, ça n'a pas été retenu parce que c'est bête, mais on a quand même eu cette idée de mettre un pied dans les institutions de cela. Deuxième exemple, j'ai été invitée au congrès des jeunes socialistes avant le Parti socialiste, et on m'a dit, tu vas intervenir, on vous invite à un grand débat sur les jeunes et la politique. Donc je prépare, je mets une jolie robe, j'arrive, et là on me dit, en fait tu vas juste écouter les vieux qui sont à la tribune, et il y a Sandra. Alors Sandra a très bien parlé, hein, c'était génial, j'étais là, j'étais une grosse fan. Mais elle est venue, elle m'a dit, je suis désolée. Sandra. Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. Elle a très bien parlé, mais elle-même était géniale. Je demande d'intervenir, moi, en tant que porte-parole d'un parti, alors qu'on a la représentante du mouvement de jeunesse qui est dans la salle, et on était tous comme ça, et les représentants du parti des jeunes communistes. Et donc là, vraiment, j'ai pris une feuille, j'ai attendu les jeunes qui parlent des jeunes et de la politique tout en invitant les aînés à parler pour eux. J'ai trouvé ça relativement scandaleux. Le deuxième, évidemment, après, au-delà des jeunes, ce sont les journalistes. À chaque fois qu'on a fait des conférences de presse avec sur divers sujets pour intervenir de jeunesse, les journalistes nous disaient « ça ne vous dérange pas de manipuler par un cerveau ? Ça ne vous dérange pas de manipuler par un parti politique ?» C'est vrai que l'acquisition d'un cerveau, ça fait 18 ans. On a complètement oublié. Donc j'ai trouvé ça profondément méprisant de leur part. Mais bon, c'est pas grave. Et la dernière chose sur laquelle je voulais insister, ça peut aussi venir des partis politiques. Je ne cite pas spécialement en écologie des Verts, parce qu'en fait, on fait partie du processus des assises. Et il y a eu des rencontres en Ile-de-France. Et lorsque le groupe parisien a dit, écoutez, où vous voyez la place des jeunes écologistes à ces rencontres, on nous a dit, madame, vous êtes. Et maintenant, on est partenaires, hein, on va participer. Mais ils disent, non, on a une meilleure visée, il y a des enfants à garder. Non, on fait de la police, en fait. Donc, je dis qu'en tout cas, que certains ont exprimé, et on a été défendus, c'est un peu ainsi, ce qui nous ont étonné.
Merci à Jean-Luc. Merci à Jean-Luc. Mais ça a été exprimé. Je ne peux pas couper pour ça exprimer. C'est révélateur de quelque chose. Donc après, quelles sont les solutions? Je pense que la question, c'est aussi comment j'articule les jeunes technologistes et le roi des technologies des verts. Parce que déjà, les jeunes technologistes ont toujours été pensés comme un lieu de formation, formation à l'écologie politique. On est particulièrement fiers hier d'avoir vu que sur un magnifique tweet, les trois femmes présentes à la table étaient des anciennes jeunes écologistes, Marie Toussaint, Marie Tondelier et Cécile Germain et Julière. On s'est dit, waouh, c'est bien de la formation. On fait aussi de la formation plus générale. On a des gens qui sont partis à l'Alternatiba, partager, c'est sympa. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi intéressant, c'est qu'on ne forme pas simplement à l'Europe écologie des verts, on forme à l'écologie en général, et il y a des gens qui savent la cause écologique sans pourtant être dans le parti à faire. Cette formation, on a voulu continuer à la faire, parce qu'on pensait que c'était le cœur de notre activité, et qu'aussi ça pouvait manquer chez l'Europe écologie des verts à un certain moment. Donc tous les mardis, on avait rendez-vous à 20h sur un logiciel qu'on appelle Discord, pour une formation. C'était, au début on appelait ça les mardis CGT, on s'est dit ouais ça, on ne comprenait pas, on appelait ces soirées Discord, et on a invité de nombreuses personnes. La première chose c'était d'inviter nos internes, on avait des gens super, et puis après on a invité aussi des gens dans la psychologie, Julien a participé, et ça nous a permis d'avoir des internationaux, même une jeune écolo ivoirienne, on a travaillé avec la Fondation Écrivol, on a travaillé avec les jeunes écolos portugais. Ça me permet de réagir sur le Discord parce que moi je ne crois plus aux listes mail. Je ne pense pas que ça soit aux listes mail. Voilà. Je pense que c'est un peu dépassé, personnellement. Nous, c'est vrai que le salon Discord nous permet de ne pas clôturer. À partir où on a des rôles, évidemment, à chaque fois, il faut être militant pour accéder à tout. Mais je ne vois pas pourquoi il faut s'inscrire à une commission pour savoir. Quelle est l'actualité? Par exemple, si je m'intéresse pas spécialement à la question européenne, mais que j'adore parler de la situation en Espagne, je vois pas pourquoi on est obligé à chaque fois d'être cloisonné dans ce type de travail. Donc c'est en ça que le Discord est intéressant, parce que c'est pensé comme un forum. Et donc les gens, ils se font cliquer, ils peuvent se taguer les uns les autres, ils peuvent envoyer des mails perso. Et je pense que ça apaise énormément les longs mails, parce qu'on s'est rendu compte que c'était toujours les mails qui avaient été postés sur les discussions en faisant des longs mails. Et je ne sais pas pourquoi c'est des années que je suis là aussi. Et je réagissais par mail. Cette chose est importante aussi, c'est par tout de suite partie du groupe de l'écologie. Ce qu'on met, nous, c'est que dès qu'une personne adhère, elle a un mail d'adhésion. J'aime les valeurs d'écologie. Là, j'ai reçu mon ticket paiement. J'étais contente de vous contacter. Mais au-delà de ça, je ne savais pas qui était mon groupe local. Je ne savais pas à qui je pouvais parler. Je n'ai pas été tout de suite mise sur les listes mail de mon local, donc je ne savais pas à qui m'adresser. Enfin, heureusement, je les ai croisés et depuis c'était, mais autrement, j'aurais été perdue. Donc ça, ce mail d'adhésion me semble profondément important. Et donc, j'en termine sur le fait que les jeunes écologistes se sont toujours voulus comme quelque chose à la fois d'associatif et de politique. Cette double identité, tout le monde y tient énormément. Et ça se voit aussi en raison de tout le monde de militants par la suite. Par contre, ce lien avec l'associatif est important d'un point de vue national, selon moi. On prend un exemple en fait. Il y a la loi anti-immigration qui est passée, et pour la faire passer, le président a convoqué toutes les associations et a dit « je baisse les subventions ». Et le premier qui marche au travail, il perd son marché public. Je suis partie d'une association comme ça, la semaine dernière, j'ai dû de mettre un travail à la rue. Et lundi 28, je dois mettre une femme handicapée et sa fille de 11 ans à la rue, parce qu'autrement, l'État me demande la poursuivre et ça me coûte 5000 euros par an. Ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien dans les associations, et on sait que nous, comme on a l'accord de compte, on ne peut absolument rien dire. Et qu'on attend, en fait, ce relais politique. On attend ce lien fort entre un parti et les associations. Et s'il était meilleur, en fait, on n'aurait pas besoin de remplir nos plans. Enfin, d'ailleurs, si vous avez une solution pour cette dame, vous pouvez m'appeler, ça me fera un jeu. Et donc, pour terminer, la question aussi, ça c'est une question que se posent les jeunes écologistes et que le nouvel exécutif va se poser très rapidement, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse, c'est qu'il y a des jeunesses. Et qu'il faut en fait l'espace politique pour chacune de ces jeunesses. Nous, le gros projet,
projet, c'est de remonter Pagdaf, qui est le syndicat étudiant de l'écologie. Et après, puisqu'on souffre également des mêmes problèmes, on a globalement des militants qui vont à l'université, qui font partie d'un certain milieu social, mais c'est bien de diversifier tout ça. Donc tout ça pour vous dire, parce que je prépare une conclusion, on a donc vu le pouvoir passer des plus vieux aux plus jeunes, mais pour ce qui est de la représentation, on attend toujours. Et je pense que c'est là le vrai problème actuel. Donc comme je vais quand même terminer par une note positive, je vais citer Brel, si c'est pas sûr, c'est quand même super. Fonctionnement interne à l'Europe Écologie Les Verts, c'est les tendances, les émotions, etc. Alors, je profite que j'ai mon collègue Mohsin d'Écolo, puisque je suis aussi membre d'Écolo, vivant en Belgique. Est-ce que tu connais l'histoire d'Écolo au début? Je sais que tu avais des tendances au début et qu'ils ont décidé de s'en passer au milieu des années 80. Alors moi, j'étais un petit peu trop jeune pour avoir vécu ça. Est-ce que au sein d'Etopia, vous avez des archives là-dessus? Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Et une question à Marc Garcia. Est-ce qu'il y a d'autres partis verts ici où il y a des tendances comme ça aussi formalisées? On peut se présenter. Frédéric Supio, donc membre du Conseil fédéral pour la motion écologie en commun. Moi, je voulais poser aussi une question aussi aux copains d'Écolo. Par rapport, tu parlais du diagnostic qui a été fait par les membres du Conseil des fédérations, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez été accompagné de personnes extérieures qui avaient une vision et quel type de personnes extérieures vous accompagnaient? C'est Alexandre, je suis jeune écologiste à Lyon. J'ai l'impression que Aurore de Génération. Dans votre charte fondatrice de votre mouvement, vous indiquez que vous reconnaissez un charme des verts mondiaux. Est-ce que vous allez, pour les Européens, choisir l'affiliation pour les leaders européens ou faire autre chose? On ne voit pas trop la cohérence. Ça aurait été du cas de la série. Sur la bande du plat. Non, je prends une audition en face. Oui, Paris 13e, d'ailleurs j'en profite pour dire que ça fait un an que j'ai essayé de rentrer en contact avec mon groupe local que j'arrive pas à me dire à quelqu'un du Louis. J'étais à Bordeaux en France. Ma première question était celle qu'a posée Frédéric, l'émotion quand
pensez-vous, vous, collègues, camarades d'autres pays? Je n'ai pas d'opinion dessus, mais j'ai un ressenti, c'est extrêmement frustrant. C'est quelque chose qui est... Enfin, je veux dire, qui donne le sentiment d'un parti dans le parti, et c'est pas agréable, voilà. Et ma question porte sur la façon dont on explicite, enfin, dont vous, camarades d'eau du mouvement écolo, explicitez votre stratégie en interne, la faisait partager aux militants de vos partis. J'ai l'impression qu'il y a au sein de ELV une tension permanente entre des gens qui estiment que notre rôle est d'être à la marge de l'appareil politique, à rappeler sans cesse des idées, et d'autres qui estiment qu'on doit être dans les institutions pour faire vivre ces idées, quitte à manger de la couleuvre à toutes les sauces. Voilà, et je souhaite savoir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce qu'il y a. Et merci. Est-ce que ça va prendre un premier tour? On va prendre une dernière petite pause. Si c'est la suite. On va faire une idée, si vous savez, on va prendre une topia. Président, ça, pour une topia. Vincent Dubaille, co-secrétaire du département 92. En tout cas, je voulais poser la question pour Utopia. Quelle forme prend la démocratie dans votre instance et même la participation? C'est pas pareil, Utopia, c'est une émotion. On va en clore là-dessus sur les premières questions. Mesdames, pensez au projet. Et qui veut commencer? Sur les tendances et l'émotion, pour être tout à fait honnête, ça nous facilite considérablement la vie des fois à l'avoir. Dans les années 80, À l'époque, comme je l'ai dit très rapidement et comme Marc l'a dit, on est dans une situation où les partis verts sont très composites par rapport au background des membres. En fait, certains viennent des milieux plutôt libertariens, mais la plupart, pour ce qui est de la Belgique francophone, viennent de milieux d'extrême gauche. Et la culture politique dans ces milieux-là, elle était très fortement liée aux motions, aux courants, aux directions politiques collective, très composite, où finalement il s'agissait pas de construire de l'intelligence collective, mais il s'agissait de se surveiller les uns les autres, ce qui n'est pas du tout la même démarche. Mais j'ai pas l'impression qu'on n'a jamais institutionnalisé ce fonctionnement-là, et on s'en est très très vite éloigné. Et comment est-ce qu'on gère finalement ce rapport entre diversité interne, dans les orientations stratégiques, et la nécessité d'avoir un front uni d'une manière ou d'une autre? Mais en fait, on fonctionne avec des élections qui sont des élections coprésidentielles. Donc nous, on a un parti qui est dirigé par deux personnes, un homme, une femme, un ou une bruxelloise, un ou une wallonne. Donc ça, c'est la structure, et donc on a... Mais on revient des années 80, des années 90, où finalement on a réduit, en fait, au fur et à mesure le nombre de personnes. Ça s'appelait d'abord le secrétariat fédéral, maintenant ça s'appelle la coprésidence. Et donc, tous les 4 ans, une élection a lieu, des coprésidents, où ils proposent, les équipes concurrentes proposent une ligne politique. Et cette ligne politique, elle est validée par une assemblée générale, et ensuite, une note stratégique est proposée au sein du conseil de fédération, qui est le parlement du parti. Et cette note, elle est validée par le parlement du parti, et de cette manière-là, en fait, le parlement du parti est lui-même, finalement, le garant de la ligne politique qui est amendée entre le moment où les coprésidents sont élus et au moment où le conseil de fédération, le grand parti, adopte la note stratégique. En général, il y a un temps entre ces deux moments-là, qui est un temps de consultation. L'idée, c'est pas simplement d'arriver et de dire, voilà, ma ligne, c'est celle-là, et ce sera celle-là, et vous allez la suivre pendant 4 ans, et vous attendez 4 ans avant de pouvoir donner votre point de vue. Non, évidemment pas, il s'agit de créer de la synthèse et de la catalyse. Donc ça, c'est comme ça qu'on gère les questions stratégiques chez nous, mais je sais pas si ça répond à ta question, ouais. Sur la question du processus et de l'accompagnement externe, on n'a pas eu d'accompagnement à proprement parler, mais dans le cahier de charge, il y avait très clairement l'idée de s'ouvrir à l'extérieur, de consulter l'extérieur, et le faire par cercle concentrique. Par exemple, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a pris tous nos listings de membres depuis 10 ans, et on s'est adressé à ceux qui nous avaient quittés en chemin. Et c'est très important parce que ça nous permet de se demander pourquoi est-ce qu'ils sont partis et de leur poser la question. Et souvent, ils avaient beaucoup de choses à dire. L'idée étant de recréer, si possible, et la synthèse, elle ne se fait pas à n'importe quel prix, de recréer une forme de commun, de mutualisation sur... Et parfois, simplement, le fait que ces personnes-là qui sont parties déçues, fâchées, de
pouvoir exprimer leur point de vue et de voir leur point de vue entendu, reconnu, mis sur papier, c'est quelque chose qui, d'un point de vue humain en fait, facilite quand même beaucoup les possibilités de retour. Quand il y a possibilité de retour, parfois les chemins se séparent et c'est très bien comme ça. Mais... Donc par cercle concentrique, donc, d'abord les anciens membres, ensuite les observateurs de la vie politique, ensuite les ONG, souvent les ONG environnementales qui ont été très critiques vis-à-vis de nous. L'idée était de pouvoir les entendre et de se demander où est-ce qu'on avait foiré, et puis nous aussi de leur dire où est-ce qu'eux avaient foiré éventuellement, parce que c'est pas simplement, on n'est pas là pour se flageller en public, l'idée c'est vraiment d'avoir une discussion sur sa victoire autant que possible, et puis des, voilà, on a ouvert le plus possible, mais on n'a pas ouvert vers le grand public, ça s'arrête là. On a quand même limité finalement l'ouverture, on n'aurait pas pu gérer de toute façon plus qu'est-ce qu'on a eu comme quelle forme prend la démocratie interne ? C'est une vaste question. Mais donc, il y a un Parlement, en fait, interne du parti, et je l'ai dit, hein, c'est la théorie que ce que je vous ai raconté juste avant, c'était la réalité. C'était un Parlement qui avait formellement le pouvoir d'ajuster la ligne politique du parti, mais qui, dans les faits, était complètement embourbé dans les questions de procédure. Et puis, on a un bureau politique, ce qui est constitué de l'ensemble des mandataires du parti, qui lui se réunit une fois par semaine et qui ajuste la ligne en termes de... Pardon, c'est les élus. Ah pardon, c'est les élus, oui. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que la Belgique, c'est que la France. Donc, ils peuvent réunir chaque semaine tous leurs élus. C'est une grande différence. Oui, nous savons. Non, ça veut dire. Mais on a aussi un bureau politique fédéral avec les élus. Donc ça, c'est les institutions qui sont chargées d'assurer le lien entre le parti, en fait, et la coprésidence, et la représentation qui est faite du parti à l'extérieur. Mais dans les contextes, en fait, de majorité, de participation gouvernementale, quand on est dans des gouvernements, les choses deviennent plus compliquées, parce qu'il y a un triangle qui se fait, et là, ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas de lien assez fort entre le parti et certains ministres au gouvernement, et il n'y avait pas de lien assez fort entre ces deux composantes-là et les membres du parti. Donc ça, c'est ce qu'a pointé typiquement le rapport qui est... a produit le diagnostic. Les militants, quel ordre de grandeur ils sont, ils aident ou ils décident ? Ça, ma question. Okay. Donc les militants, ils sont représentés de manière territoriale au sein du Parlement. C'est que les élus qui décident ? Ah, non, c'est justement. Donc toi, par exemple, t'es militant dans le 9-2, okay. On est régional, nous, ce serait la région d'Île-de-France, et la régionale écolo d'Île-de-France envoie X représentants en fonction de sa démographie. Oui. Donc il y a une partie, c'est l'essentiel en fait, du Parlement qui est constitué par des représentants territoriaux du parti, et puis il y a d'autres qui sont élus directement, en fait, cooptés par l'Assemblée qui est élue, histoire de ne pas avoir uniquement une représentation territoriale, ou les enjeux de concurrence territoriale, je ne sais pas sur la direction. Merci beaucoup, on continue. Alors on continue, Marc et Gwendoline, parce que les questions des motions, en gros, s'il y avait vraiment eu aucune question, c'est celle que j'aurais posée, donc merci de l'avoir posée deux fois, évidemment, sur les différentes organisations. Alors, je vais me permettre de répondre pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, au sein du comité du Parti Vert Européen, donc on est 9 membres, si 8 d'entre nous, on se répartit les pays par territoire, les pays par territoire, et donc on est très au courant de fonctionnement interne très précis de certains de nos partis, ce qui n'est pas le cas de Mars, c'est la seule qui a une vision plus large, donc elle connaît moins bien que moi certains partis de manière précise. D'ailleurs, moi, je ne connais pas très bien du coup le parti roumain, voilà, ça dépend des territoires. Pareil, la deuxième raison, c'est que Mars, en fait, elle ne s'est jamais posé cette question, de savoir si d'autres partis verts avaient des problèmes de courant ou pas. D'ailleurs, quand il y a 2 ans, on était en grande crise, nous, au niveau de l'ELP, et que on a passé, on a un comité tous les mois à peu près, on a passé 4 comités avec à peu près 2 heures dans chaque comité à discuter que de la France et de l'ELV. Mes collègues m'ont donc demandé une explication en méga détail de tout ce qu'on faisait, et on a même eu une salariée qui est venue à notre congrès à Pantin, Benedetta, qui sera aussi là dans quelques jours, et ils m'ont demandé un résumé, etc. Et donc je leur ai expliqué comment fonctionnait, et vous ne pouvez même pas vous imaginer leur tête. Et donc, c'est vous dire si cette question, elle ne se pose pas. C'est-à-dire que les courants, ça existe dans un parti pour répondre. C'est le parti grec, c'est un parti qui va encore plus mal que le nôtre. Bien, bien plus mal. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont à 200 adhérents. Oui, enfin, il y a quand même plus de très bien. Peut-être même moins de 100. Et surtout,
il y a 3 ans, ils ont fini par avoir trois mentions thèmes en incapacité de 100 ans qu'ils ont créé. Et donc, il y en a deux qui sont morts. Maintenant, il reste le troisième, qui est celui qui avait choisi de faire alliance avec Syriza, et qui, du coup, a un ministre, et voilà, c'est eux qui restent, et ça fait même pas 100 aujourd'hui. Donc, c'est le seul parti que je connais comme ça. Ça ne veut pas dire que cette question qui a été posée par là-bas, cette tension de. Entre ceux qui veulent être plus dans l'activisme et ceux qui veulent être plus dans les institutions, qui veulent, pas de bon mot, quand ils pensent, elle n'existe pas dans tous nos partis verts. On vient de là, et dans tous nos partis verts, ça pose question, et dans tous nos partis verts, au moment des participations dans les gouvernements, c'est compliqué. D'ailleurs, pratiquement tous nos partis sont fragilisés après des participations au gouvernement, c'est un grand classique, des choses qu'on connaît bien. Donc, cette tension-là, elle existe dans tous les partis verts, elle n'existe pas comme dans la nôtre, et je pense qu'elle est l'ADN des verts. Elle est cet ADN de. À la fois, on n'est pas comme le NPA et d'autres à dire nous, jamais on participera, et à la fois, on veut garder cette histoire de l'activisme, cette histoire d'avoir un pied à l'intérieur des institutions, à l'intérieur. Donc cette tension, elle existe et elle est saine. Mais aucun autre parti, à part les Grecs, et nous, n'en ont fait une procédure institutionnalisée de fonctionnement. Alors, pour prendre l'exemple le plus connu, c'est les Grünen. Les Grünen, ils ont très clairement déterminé, de manière déterminée, une gauche et une droite. La gauche étant toujours un tout petit peu plus faible, on est sur 40-60, mais voilà. Et ils s'organisent. Ils ont leurs propres réunions, ils font des séminaires de travail hyper régulièrement. La coprésidente du groupe au Parlement, Ska Keller, est issue de la gauche et elle est une de leurs incarnations et elle se réunit avec tous ses copains et ils décident d'amendements qu'ils vont porter et ils décident d'essayer d'orienter le parti dans ce sens-là et ils défendent des idées, etc. Mais ça n'est absolument pas institutionnalisé. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, le vote avait toujours amené à ce qu'il y ait un de chaque tendance partie à la production. Hein, ils ont un co-président homme-femme et il y avait toujours eu un équilibre. Pour la première fois cette fois-ci, ils n'ont pas un équilibre. Les deux sont plutôt du côté réalo. Et moi, ce qui m'a été dit par les Allemands, hein, par certains Allemands, c'est qu'en fait, la candidate gauchiste ne plaisait à personne, et même les gauchistes, ils n'ont pas voté pour elle, parce qu'à un moment donné, ça n'avait pas sens. Et ça n'empêche qu'ils ont des incarnations fortes gauchistes dans plusieurs régions, au niveau du Parlement, etc., etc. Mais cette idée que c'est institutionnalisé, que c'est le seul moyen, surtout, d'arriver à des fonctions en interne, ça, c'est véritablement une exception française, et c'est une exception ELV qui... disparaît. Qui en tous les cas, je vous dis, a stupéfait mes camarades. Mais comme je l'ai passé, donc, dès les détails, New Congrès de Fantin, déjà, il n'y a pas le choix des heures à l'expliquer, elle est carrément venue, mais très contente. Elle est venue à la réunion de motion EEC où on s'est déchiré pendant 3 heures pour l'expliquer si on n'avait pas fait ça. Et donc, elle est venue raconter tout ça. C'était vachement instructif pour elle. Mais évidemment, et après, elle a fait plein de trucs et tout, et du coup, elle a dit, voilà, et moi, je leur ai aussi expliqué en détail comment fonctionne et tout. C'est ubuesque, c'est vraiment, c'est très très compliqué pour comprendre, donc je pense qu'il y a en tous les cas, moi en tout cas, ce que j'essaye de défendre, c'est que, là, je ne suis plus dans l'observation du point de vue à moi, c'est que, en tout cas, je défends le fait qu'en tout cas, ça ne soit pas le seul moyen d'atteindre des fonctions en France. Ça ne peut pas être, parce que cette idée qu'il y a des gens qui n'ont jamais accès ou très peu accès à des fonctions ou à de l'info, simplement, à part à un tout petit niveau dans le groupe local, ça c'est une exception ELV. Dans les autres parties, vous pouvez n'avoir jamais choisi d'être le copain de machin, le copain de bidule, et vous pouvez atteindre des choses. Aurore, tu as été spécifique que moi j'aimerais. Tu as parlé un moment de différentes cultures qui font un mouvement ensemble, notamment des anciens socialistes, ce n'est pas ton cas, tu n'as pas mentionné, et c'est important de le préciser. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tes camarades ex-socialistes se sont dit qu'il ne fallait pas reproduire. Puis après, tu as libre de prendre question, évidemment, sur l'accueil, sur la formation, sur les sensibilités. En fait, c'était assez intéressant, ne serait-ce qu'au niveau des mots, déjà, parce qu'il y avait une personne qui disait PS, donc avec le socialisme, je reste, machin, tout
jamais encarté. Donc on est d'univers assez différent et la synthèse était marrante au début parce qu'on ne se comprenait pas. Voilà, on n'utilisait absolument pas les mêmes mots et on ne se comprenait pas. C'était vraiment intéressant d'un point de vue anthropologique et ça donnait aussi une petite idée de ce qui peut se passer dans les anthropologues aujourd'hui. On ne se comprenait vraiment absolument pas. C'est-à-dire que un truc à dernier étage socialiste très fort, la question écologique était forcément déconnectée de la question sociale, par exemple. Il y avait plein de choses comme ça qui disaient, et inversement, pour ceux qui aimaient l'écologie positive, pour tous, mais le logiciel de gauche était forcément un logiciel productif. Moi qui étais au milieu, c'est-à-dire qui étais biberonnée par Gors, Illich, Keynes, et plein de gens différents comme ça, j'étais complètement perdue parce que je me disais, mais qu'est-ce qui parle? Non, ils ne se comprennent pas, alors que pourtant on veut absolument rien. Donc il y avait déjà une acculturation à faire, c'était très intéressant. Ensuite, sur la question du fonctionnement interne des partis, certaines personnes avaient pu être un peu échaudées par le fonctionnement de l'écologie de terre, justement pour les raisons de partie, et d'autres étaient échaudées par le fonctionnement du PS. Et par exemple, pour les gens de la société civile comme moi, moi, je me disais, non, mais voilà, sur la tête, on va faire un truc hyper efficace, on va, on dégage chacun des chemins, etc. Et eux me disaient, non, mais attends, t'es gentil, mais non, on ne commence absolument pas. Ce qu'on a fait au PS, par exemple, et notamment les gens du PS, ils ne voulaient absolument pas des choses départementales parce qu'ils avaient vu ce que ça pouvait donner. Donc, en fait, pour les baronnies, effectivement, pour les petites baronnies, mais il y avait plein de choses comme ça, où moi qui, n'ayant pas de background politique, en mode on va aller vite, etc. Et eux me disaient, ah non, on ne recommence pas ces conneries-là. Et finalement, c'était assez intéressant parce que, notamment avec le conseil des membres, les personnes qui venaient de partie n'osaient absolument pas donner conseil au conseil des membres qui, pourtant, étaient en demande à un moment de dialogue et disaient, ah non, mais on va nous dire qu'on les influence, sinon on les laisse faire, etc. Donc il y avait un processus comme ça, oui, vraiment d'acculturation, de se faire confiance, de montrer qu'on peut donner, échanger sans essayer d'influencer, c'était extrêmement riche. Sur la question des motions et des tendances, c'est pas prévu, c'est pas interdit par le CFI, mais c'est pas prévu. Moi qui peux avoir un mode de fonctionnement un peu moins comme ça efficace que je disais tout à l'heure, j'étais tout au courant les tendances. Et puis il y a eu la perte de lunettes. Et je me suis dit que finalement, avoir une organisation politique qui permet d'exprimer le pluralisme, qui permet l'existence à travers ce pluralisme aussi de contre-pouvoir, c'était quand même pas plus mal. Ça borde des idées un petit peu, de temps en temps, alors quand ça borde des discours, c'est problématique et c'est révélateur aussi d'autre chose. Je pense que ce n'est pas qu'une question d'organisation, c'est un révélateur d'autre chose. Mais c'est quand même assez important et assez simple. Qui est du débat et la possibilité de contre-pouvoir et la possibilité de tendance au sein d'un mouvement. Pas que ce soit gros, mais que ce soit petit. Et sur la question du Parlement, j'ai 30 secondes, comme on l'a dit, on a un mouvement démocratique qui parle à tout le monde, qui est ouvert à tout le monde, ce ne sera pas à nous de 30%, ce sera à l'ensemble du mouvement. Et pour l'instant, je crois qu'on a été extrêmement ouverts, notamment vis-à-vis de notre parti face et Europe et les débats. Il y a un parti d'ailleurs qui nous a copié, parce qu'en plus il y a eu le temps aussi par des gens qui nous ont copié en partie et qui a des systèmes de pouvoir qui ne sont pas aussi institutionnalisés que nous, mais qui ont vraiment cette phrase de la représentativité de la proportionnelle. Je ne sais plus exactement la règle, et il faudrait demander en direct à quelqu'un qui vient là, c'est ECO en Espagne, pas la partie parce que le Catalogne, hein, la partie, voilà, et Florent Marchesi. Du fonctionnement des Verts français quand ils l'ont créé. Donc ils ont des choses qui sont semblables à nous et ça va être un peu plus les détails que je ne peux pas revenir. Je sais qu'ils ont aussi un système qui n'est pas tout à fait aussi, qui n'est pas rigide comme le nôtre, mais qui a une volonté de proportionnalité, donc je ne sais pas d'où aussi. Et il faudrait que je parle. Attends, bien. Mais juste. Je suis au genou.
Évoquait tout à l'heure Julien en introduction. Donc, on va mettre en chantier tout ce travail sur la réinvention, réinventer. En parallèle, il y a en effet les assises. Il y a pas mal de choses qui sont en marche aussi avec vous, Julien Gourmaud. Qui sont en process avec aussi les Européens qui vont arriver, puis bientôt les élections municipales qui nous tiennent à cœur, parce qu'on est aussi quelque part du Covid. Donc là, tout va non pas se précipiter, mais on va devoir remettre tout ça en perspective. Donc il y a un atelier aussi qui suit, et puis on va avoir des échéances dès la rentrée prochaine. Donc voilà, tout ça pour dire que ce que je trouve important dans ce qui a été évoqué, c'est aussi la notion de diagnostic. On s'est longtemps et régulièrement posé sur ces horribles listes de discussions qui sont monopolisés souvent par les mêmes, cette question de bilan, doit-on faire un bilan, enfin un bilan. Je pense que le terme le plus exact et le plus approprié est en effet la question du diagnostic partagé, qui est souvent travaillé par les travailleurs sociaux, en sciences sociales, en sciences humaines. Et on a peut-être quelque chose, nous, à se réapproprier, ayant longtemps été proche, et après, dans les années 90, des écolos, je suis issue de la marche, première marche pour l'égalité. Donc, et je me dis qu'on a souvent travaillé sur les... On a été innovants longtemps. J'ai rejoint les Verts en 2008, donc il y a 10 ans maintenant, et je souhaite que notre parti politique, notre formation politique puisse être à nouveau novateur. C'est pour ça qu'avec Julien et d'autres, on sera amenés à co-animer l'ensemble de ces chantiers. Et moi, il y a des mots-clés qui me tiennent à cœur, c'est la co-élaboration et les méthodes coopératives. Et je crois qu'il faut qu'on renoue avec cette culture et peut-être qu'on repasse par une phase d'acculturation d'un système qui a existé ces derniers temps, qui nous a amené là où on en est. Il faut qu'on partage notre histoire, on ne doit pas en avoir honte, mais maintenant c'est comment reconstruire de nouveaux ponts et de nouvelles formes d'adhésion au vrai sens du terme. Voilà, merci. Deuxième mot, c'est remercier nos intervenants de valeur. Et surtout, ça va la faire rougir, Mar, avec laquelle on travaille depuis 3 mois à l'élaboration de ces journées d'été de Strasbourg, qui, vous le savez, sont co-organisées avec le partenaire européen. Donc on travaille main dans la main, nuit et jour, pendant les vacances. Et là, pardon. Ah oui, on a une idée. Vraiment un grand merci à nos intervenants, donc Marc Garcia, le secrétaire général.